Charlène de Monaco n'est pas près de rentrer sur le rocher, comme l'a expliqué l'ancienne nageuse olympique. Elle est bloquée en Afrique du Sud en raison d'une opération qui l'empêche de prendre l'avion. Jusqu'à quand? Au moins la fin du mois d'octobre. Ce qui signifie à son plus grand désarroi qu'elle ne pourra pas être présente pour la rentrée scolaire de ses enfants Jacques et Gabriella. Il s'agit d'un véritable crève-cœur pour la princesse, qui a toujours pris soin de les accompagner pour leur premier jour à l'école. D'autant plus qu'ils vont franchir une grande étape puisqu'ils feront leurs premiers pas au CP. Mais n'en déplaise à la princesse. C'est seul que les accompagnera son époux Albert II. C'est loin d'être le seul événement cher à son cœur sur lequel Charlène de Monaco va devoir tirer un trait. Comme le rapporte le magazine Point de Vue, elle va également devoir se résoudre à manquer le Monte Carlo Gala for Planetary Health. Un événement mondain où elle se rend chaque année. Mais celui-ci ayant été fixé au 27 septembre. Soit un mois avant son retour prévu, elle ne pourra pas y participer. Fort heureusement, Charlène de Monaco a aussi eu le droit à de bonnes nouvelles ces dernières semaines. Elle a même reçu la visite du prince Albert et de leurs deux enfants, qu'elle n'avait pas revus depuis de longs mois. L'occasion pour toute la petite famille de prendre la pause ensemble, comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. De quoi combler de bonheur la maman de 43 ans, qui n'a jamais été séparée aussi longtemps de ses petites têtes blondes. Malheureusement, les retrouvailles n'ont été que de courte durée pour la petite famille. Après seulement quelques jours passés en Afrique du Sud, Albert II et les enfants ont déjà regagné la France. Le dimanche 29 août dernier, ils ont même été aperçus en train de faire du canoë en Dordogne. Un tendre moment en famille auquel Charlène de Monaco aurait terriblement aimé assister.